Mes seigneurs, chers pères, frères et sœurs, au livre de l'Exode, Moïse demande au Seigneur « Laisse-moi voir ta gloire ». Le Seigneur lui répond « Voici une place près de moi, tu te tiendras sur le rocher, tu me verras de dos, mais mon visage, personne ne peut le voir. » Dieu ne se laisse pas posséder, il faut le suivre, le voir de dos pour le voir un jour face à face, consentir au clair-obscur de la foi. La foi repose en partie sur l'expérience visible, ce que nous avons vu, entendu, touché du Christ, le Verbe de vie, nous vous l'annonçons, dit l'apôtre Jean. Les disciples d'Emmaüs ont bien vu le Christ au soir tombant, mais ils n'ont pu le retenir. Méditons sur cette discrétion de Dieu qui ne se laisse jamais posséder, pour que nous le cherchions toujours, pour que nous soyons libres de le laisser aller ou de le retenir. Il fit semblant d'aller plus loin. L'idole s'impose, elle écrase tout sur son évidence, mais on ne peut trouver Dieu qu'en le cherchant toujours. Le carême est le temps du combat, c'est aussi le temps de retrouver le désir de Dieu, le sens et la fin de l'essentiel. Reste avec nous, Seigneur. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, dit le psaume, ne me cache pas ta face. Merci, cher ami, cher père, cher Guillaume, chanoine Guillaume de Mantière, qui nous introduit dans cette méditation. Merci, mon Seigneur. Par ses cheveux épars, une femme entraînée qu'entoure avec clameur la foule déchaînée. Cette femme adultère est coupable et surprise. Que doit faire Israël de la loi de Moïse? Par ses vers, Alfred de Vigny décrivait le tableau si poignant dont l'évangile de ce cinquième dimanche de carême nous livre le récit. Le face-à-face de la femme adultère et du Sauveur, le tête-à-tête de la créature et de son Créateur, le cœur-à-cœur de la misère et de la miséricorde. Qu'est donc cette femme, sinon la figure de l'Église, que de bonnes âmes traînent sans cesse devant Jésus pour qu'il la condamne? Mais le Christ renvoie toujours confus les détracteurs de l'Église et fait de la pécheresse une sainte par le don de sa grâce. C'était la loi de Moïse, indiscutablement, que les femmes qui avaient commis l'adultère dussent être lapidées. Mais non pas les femmes seulement, les femmes et leurs amants. Or, ce que nous voyons dans ce récit de l'Évangile, curieusement, c'est que la femme seule est incriminée. Comment se fait-il que ces scribes, que ces pharisiens sourcilleux, si tatillons au sujet de la loi, aient oublié la moitié de leur sentence? Où est-il le coupable? Où est-il l'amant? Il est là. Il est là car nous ne pouvons pas douter que, lorsqu'ils accusent cette femme, c'est Jésus qu'ils visent. C'est Jésus qu'ils cherchent à lapider. Cette femme n'est qu'un prétexte. Celui qui doit être mis à mort, c'est Jésus. Il parlait ainsi, dit l'Évangile, afin de lui tendre un piège pour pouvoir l'accuser. Oui, c'est toujours Jésus l'accusé quand c'est la haine qui parle. C'est toujours Jésus qui est frappé quand la violence sévit. C'est toujours Jésus qui est divisé quand la discorde s'installe. Et c'est encore Jésus qui est bafoué quand le mépris règne. Malheureux scribes et pharisiens, vos pierres, ce sont vos cœurs. L'homme Jésus fuit ces pierres qu'on lui lance, mais malheur au cœur de pierre que Dieu fuit. Ce n'est pas sur la pierre, mais sur la poussière du sol que Jésus se met à griffonner. On s'est depuis longtemps interrogé sur ce geste mystérieux et un rien désinvolte que Jésus accomplit par deux fois dans l'Évangile de ce cinquième dimanche.
Il trace des traits sur le sable. Il écrit quelque chose à terre. Qu'a-t-il donc bien pu écrire ce jour-là? Peut-être les noms des accusateurs belliqueux de la femme adultère. Comme pour dire que ces noms-là sont du vent, balayés comme le sable et effacés avec lui. Voyez plutôt la différence. Le nom des délateurs de leurs frères, zélateurs du diable, est inscrit sur le sol, il passe. Mais notre nom à nous, frères chrétiens, est inscrit dans les cieux, éternellement. Est-ce à dire que cette femme, au fond, n'a rien fait de si grave et que l'adultère n'est qu'une broutille qu'il est loisible de reproduire sans mettre en péril son salut éternel? Certes, non. Il ne s'agit pas de passer du flagrant délit d'adultère au flagrant déni d'adultère. La miséricorde n'est aucunement une complaisance à l'égard du péché. Et l'adultère est certainement un des péchés les plus épouvantables. Il me souvient d'une leçon de catéchisme où j'essayais d'expliquer aux enfants le péché de David. Craignant que le mot « adultère » soit hors de leur compréhension, j'expliquais laborieusement que David avait tué Uri pour prendre la femme de celui-ci, Bethsabée. Et une petite tête blonde de me rétorquer tout de go. « Bah oui, c'est bête, il avait qu'à lui demander gentiment. » Désarmante ingénuité de l'enfance. Passe encore pour les enfants, mais pour les adultes. Je me demande quelquefois si l'adultère signifie autre chose qu'un inépuisable sujet de vaudeville. Un petit accro dans la robe nuptiale, une incartade, une aventure, comme on dit, avec sa connotation de prouesse fantasmée, une peccadille, un sport comme un autre. On s'amuse des frasques extra-conjugales des hommes politiques, comme si on pouvait tromper sa femme sans tromper ses électeurs. Or, dans la Bible, l'adultère n'est pas simplement un péché, il est le péché par excellence. Une rupture d'alliance, synonyme du rejet de Dieu. L'adultère est une idolâtrie, un crime théologal, une horreur. Longtemps, l'Église ne s'est pas crue autorisée à remettre les péchés d'adultère. Une telle faute, pensait-on, seul le Seigneur pourrait éventuellement la pardonner. Et certes, Jésus ne s'était guère montré laxiste sur ce point. À la loi qui défend l'adultère, il avait même ajouté celle qui défend la concupiscence. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien, moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Alors qu'à tant d'autres pécheurs, Jésus a pu dire « Tes péchés sont pardonnés », on ne voit pas qu'il dise cela à la femme adultère. Il emploie une bien curieuse litote. « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais il ne fait pas miséricorde pour que nous banalisions le péché et l'offense. Il ne cherche pas à tout prix d'hypothétiques circonstances atténuantes. Il ne sauve pas le pécheur en l'emmiellant de propos cajoleurs. « Ce n'est pas si grave, ça peut arriver à tout le monde, c'est humain. » Ce qui relève le coupable, ce ne sont pas des propos lénifiants sur le passé. C'est une parole d'avenir. « Va, désormais, ne pêche plus !» Lapidaire injonction, si j'ose dire. Impératif rédempteur. Loin d'émousser la force du commandement, Jésus sauve en en rappelant l'absoluité. « Sors de ton péché, quitte cette pente suicidaire, tu le peux !»
tu le dois. Tu vaux mieux qu'une défaite. Désormais, ne pêche plus. Ah, qu'il est beau, ce désormais. C'est le cri de l'espérance. Car espérer, c'est voir en chacun l'homme possible. Ce n'est pas l'enfermer dans ce qu'il a fait ou dans ce qu'il est, mais voir ce qu'avec la grâce de Dieu, il peut devenir. Quand nous irons nous confesser avant Pâques, il faudrait que nous entendions cette parole du Seigneur pour nous aussi prononcer. Va, désormais, ne pêche plus. Dans toute vie, il y a un désormais, un point de rebroussement de l'existence, une conversion. Désormais, plus rien ne sera comme avant. C'est bien l'expérience que firent les disciples d'Emmaüs. Nous les avions laissés attablés avec le pain vivant. Ils croyaient simplement par ce repas rassasier leur corps fourbu. Mais c'est leur âme qui va reprendre souffle à la scène pascale. En effet, quand l'étranger eut prononcé la bénédiction, quand il eut rompu le pain et qu'il le leur eut partagé, aussitôt leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il avait disparu de devant eux. Quel paradoxe ! C'est maintenant qu'il n'est plus là qu'ils sont pleinement avec lui. Telle est la nouvelle condition du ressuscité. On ne peut le retenir ici-bas. C'est bien cela que Marie-Madeleine a pris, elle aussi, au jardin du sépulcre. Elle se tenait près du tombeau, rapporte l'Évangile, comme elle s'était tenue quelques heures plus tôt près de la croix, et elle pleurait, comme une Madeleine, ne sachant pas où était le cadavre du Seigneur. Voulait-on tant de mal à son maître qu'après lui avoir ôté la vie, on ait dérobé aussi sa dépouille, lui arrachant jusqu'aux moyens de survivre dans la mémoire des siens. Même l'apparition de deux anges vêtus de blanc ne distrait pas la sainte femme de sa douleur et de sa quête. « Au jardin, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et ne l'ai point trouvé. Ô vous, les gardes de la ville, avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» Et Jésus est là pourtant, qu'elle prend pour le jardinier. On voit bien que Madeleine est tout le contraire de la femme hallucinée pour laquelle on a voulu la faire passer. Qu'est-ce qu'une hallucination, en effet, si ce n'est la projection dans le réel de nos désirs ? Or, Madeleine désire voir Jésus, assurément. Une hallucination aurait donc consisté pour elle à voir un jardinier et à le prendre pour Jésus. Or, c'est tout le contraire qui se passe. Elle voit Jésus et elle le prend pour le jardinier. Pas plus que les compagnons d'Emmaüs ou que les disciples au bord du lac, elle n'est capable de le reconnaître au premier abord. Le pseudo-jardinier lui dit « Marie ». Se retournant, elle lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». Jésus dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père ». Pauvre Madeleine, comme on comprend son zèle empressé, qu'il y a de tendresse dans son affectueux « Rabouni », qu'il y a d'élan et de joie pure dans son geste d'enlacer et d'étreindre son Seigneur. Rien de condamnable. Au jardin, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et ne l'ai point lâché, dit la bien-aimée du cantique. Comme elle est naturelle et bien touchante, c'est le cas de le dire, cette empoignade. Pourtant, la distance demeure infranchissable et tombe le couperet du nolim et tangere. Comment comprendre cette parole, cette sentence abrupte, cette douche froide qui vient glacer le feu de l'amour? Le Christ n'avait-il pas permis à Thomas de le toucher? Est-ce la pudeur à l'égard du sexe féminin qui commande cet interdit
posée à Madeleine? Les interprétations abondent, de la psychanalyse de comptoir à la théologie mystique. Aucune n'épuise le mystère de ce noli me tangere. Cesse de me toucher, ne t'attache pas à moi, ne t'empare pas de moi, ne me retiens pas, car je monte vers mon Père. Il y eut un temps, assurément, pour toucher le Christ. Elle fut louée, cette femme hémorroïs, qui, du milieu de la foule, parvint à effleurer du moins le vêtement du Seigneur. Comment ? Tout un peuple t'en sert, et toi tu demandes qui m'a touché ? S'étonnèrent les disciples ce jour-là ? Oui, le Christ a ressenti, plus que l'étau des badauds qui l'entourent, la main de cette femme sur le pan de son manteau. La foule le presse, mais la foi le touche, commande saint Augustin. Et par ce contact, la femme fut guérie de son mal. Le Christ n'avait pas repoussé non plus cette pécheresse qui lui avait, avec tant d'amour, lavé les pieds d'une averse de ses cheveux à la stupeur indignée de Simon le pharisien. Et combien de fois Jésus n'avait-il pas exprimé sa compassion par un contact physique, tendant la main, par exemple, pour toucher le lépreux, cet intouchable? Seulement, Madeleine doit comprendre que ce temps-là va finir désormais. Non le temps de l'amour et des effusions, bien sûr, mais le temps d'une présence sensible du Maître. Au jour de l'Ascension, un autre type de présence spirituelle s'inaugure. L'apôtre l'exprime excellemment. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, désormais, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Jésus, en effet, monte vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu, vers son Père par nature et notre Père par grâce, vers son Dieu car il en est descendu, et vers notre Dieu car nous y monterons. Allons-nous nous lamenter de ce qu'il ne soit plus physiquement avec nous ? Devons-nous sombrer dans la tristesse parce que sa présence charnelle nous fait défaut ? Certes non. Si vous m'aimiez, dit le Seigneur, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père. Ainsi en va-t-il au jour de l'Ascension. Les apôtres se prosternèrent devant le Seigneur qui tendait les mains pour les bénir et qui montait aux cieux en se séparant d'eux. Aussitôt, depuis Béthanie, ils s'en retournèrent en grande joie, titubant de bonheur, jusqu'à Jérusalem. Semblablement, au moment même où le Seigneur disparaît de devant leurs yeux, les disciples d'Emmaüs, dans un irrépressible élan d'allégresse, rebroussent chemin vers la ville sainte. Un petit peu de pain qu'on partage et qu'on mange, un rien du tout, en somme, et les voici changés. Ils allaient graves et lourds, et les voici légers, députés dans la nuit, plus lestes que les anges. Pourquoi cette allégresse du départ? Pourquoi ce bonheur de l'absence, cette euphorie de la disparition? C'est curieux. En principe, un départ engendre plutôt de la tristesse. Nous nous attendrions à ce que les disciples dans l'auberge d'Emmaüs, ou les apôtres le jour de l'Ascension, soient demeurés déconcertés et tristes. Or, le chrétien est toujours dans la joie, car le Seigneur est avec lui. Souvenons-nous de ces tout derniers mots du Christ avant sa montée au ciel dans l'évangile de Matthieu. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà la parfaite inclusion. L'enfant né de la Vierge Marie est vraiment l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et cela, pas simplement pour un bref séjour sur la terre,
pour un passage furtif parmi les siens. Il est Dieu avec nous jusqu'à la fin des temps. Celui qui était auprès du Père est venu dans le monde sans quitter le Père, et celui qui était dans le monde rejoint le Père sans quitter le monde. C'est au moment précis de monter au ciel que Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours ». Pas les jours de piété simplement, pas les dimanches ou les jours de solennité. Dans les jours d'abandon, de sécheresse, de péché, il est là aussi. Un autre motif commande la joie des apôtres au jour de l'ascension. Le départ du Seigneur ouvre en effet à ses disciples l'espérance de le rejoindre un jour. Ne leur a-t-il pas dit qu'il partait leur préparer une place ? S'il est présentement avec nous par son esprit, c'est pour qu'un jour nous soyons avec lui dans le ciel. Il est l'aîné d'une multitude de frères, le premier-né d'entre les morts. Il est descendu au plus bas pour nous faire monter au plus haut. Montant dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Il a donné des dons aux hommes. Il est monté ? Qu'est-ce à dire, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Il est descendu dans les enfers pour rechercher l'humanité captive. Qui n'a en mémoire ces fresques et ces icônes merveilleuses où l'on voit Jésus tirant par la main Adam et Ève dans une invraisemblable farandole du salut, les arrachant à main forte et à bras vigoureux au gouffre de l'Hadès. Les anciens aimaient à décrire le jour de Pâques comme celui de la victoire du Christ. Jésus ressuscité n'est pas ce bon fils que son papa est venu réveiller du tombeau après une bonne petite sieste de 3 jours. Non, il est le combattant, le gladiateur intrépide qui a ferraillé dans les bas-fonds et qui remonte en héros vainqueur le jour de Pâques en affranchissant l'humanité captive. Le samedi saint, une bataille décisive s'est jouée dans les enfers pour notre salut. Désormais, le Sheol est détruit. Et par la glorieuse victoire du Christ, le chemin du ciel est ouvert pour toute l'humanité. Une seule fois, dans tout l'Évangile, Jésus se permet de dire, en pleine face de son Père, « Je veux ». Et que veut-il d'une volonté si ferme ? Quelle exigence est la sienne ? « Père, dit-il, je veux que là où je suis, mes disciples soient aussi avec moi. » Joie ! Nous serons donc un jour avec Jésus dans le ciel. Ô bonheur de croire, frères chrétiens, la joie est notre avenir. C'est bien confortable de connaître notre heureuse destination. Nous n'avons pas en effet ici-bas de cité permanente. Nous sommes faits pour le ciel. Le ciel, mot si simple, et dont la seule évocation nous remplit de félicité. À Fatima, 3 petits voyants ont vu une belle dame le 13 mai 1917. Une des premières questions qu'ils posèrent à l'apparition est celle-ci : est-ce que nous irons au ciel ? La Vierge Marie leur assura que oui. Dès lors, il n'eut plus peur de rien. Au ciel, au ciel, au ciel, ils iraient la voir un jour. Les souffrances du monde présent, qui ne les épargnèrent certes pas, leur semblèrent désormais peu de choses au prix du poids de gloire qui leur était promis et que par un privilège insigne, ils avaient entrevu. Cela interroge beaucoup notre christianisme contemporain. Pouvons-nous dire vraiment que notre conversation est dans le ciel ? Nous conduisons-nous comme des concitoyens des cieux ? Nos prédications
porte-t-elle sur les réalités eschatologiques? L'attente et poumonnée du ciel caractérise-t-elle encore notre christianisme? Parvient-elle même, non pas à submerger comme il faudrait, mais du moins à équilibrer le souci de nos tâches présentes? Pouvons-nous dire, comme François Mauriac, que nous quitterons ce monde sans tourner la tête, sans regarder en arrière, sans nostalgie? Après tout, nous ne sommes pas si pressés que cela de quitter cette terre. On se résout même à vieillir, car vieillir est quand même le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour ne pas mourir jeune. Bien sûr, d'un côté, nous ne cessons de gémir sur cette vallée de larmes. Nous nous plaignons continuellement de ce monde tel qu'il est, de cette planète telle qu'elle va. Mais enfin, après tout, on y a pris ses aises aussi. Tout bien pesé, on s'en contente. Et on voudrait bien grappiller quelques heures sur l'instant fatidique qui nous arrachera à cette terre cruelle et magnifique. Et d'ailleurs, n'est-il pas envisageable de vivre toujours sur cette terre? Tôt ou tard, la technique ne nous permettra-t-elle pas de prolonger indéfiniment notre séjour ici-bas? Un auteur de science-fiction a imaginé dans l'une de ses nouvelles qu'un sérum d'immortalité était disponible en pharmacie. Quelle aubaine! Vous imaginez la ruée? Le héros du récit, en jouant des coudes, parvient à acquérir le précieux breuvage qu'il ingurgite aussitôt, euphorique. Mal lui en prend. Car ce qu'il ignore, c'est que le virus dont il se trouve être porteur au moment de boire la potion va lui aussi bénéficier des effets du sérum. Et voici notre homme condamné à vivre indéfiniment malade de ce virus devenu indestructible. Cette parabole n'est-elle pas instructive? Notre obsession ne doit pas être la vie devant nous sur cette terre, mais plutôt la vie au-dessus de nous, dans le ciel. Pas la survie, mais la vie sûre, c'est-à-dire la vie certaine, à l'étage supérieur. Notre vie chrétienne devrait être comme ces paysages hollandais, où il y a plus de ciel que de terre. Nos engagements terrestres y trouveraient un horizon mobilisateur. L'espérance de l'éternité, en effet, n'est aucunement fuite hors du temps, désertion des combats de l'histoire, opium des luttes humaines. Bien au contraire, nul ne peut œuvrer sans relâche sur la terre, sans respirer l'air du ciel. Comme l'arbre n'étend ses racines dans le sol qu'en tournant sa cime vers le soleil. La joie de l'ascension est donc de savoir que le Christ nous aspire dans son sillage, fête maximale. Hélas, qu'évoque pour nos contemporains l'ascension du Seigneur? Sinon un pont de 4 jours et l'assurance d'embouteillage sur les autoroutes de nos villégiatures. Sur la vitrine d'une boutique, un joli jour de mai, je vis écrits ces mots étranges: « Fermé pour cause d'ascension ». Cet écriteau elliptique ne signifiait évidemment pas que le commerçant fût monté au ciel. La pancarte avertissait simplement que l'épicier faisait le pont. Mais, après tout, il n'est pas faux que l'ascension soit un pont. C'est même le grand pont entre la terre et le ciel. Et les autoroutes célestes sont moins encombrées que celles d'ici-bas. Les anges montent et descendent à leur guise sur l'échelle de Jacob. Comme disait le général, dans les hauteurs, il n'y a jamais d'encombrement. L'ascension du Seigneur est en quelque sorte le Noël du ciel. À Noël, le Verbe se fait chair. Il habite notre terre. Au jour de l'ascension,
notre chair pénètre dans les cieux. L'homme habite en Dieu. Le Christ est entré avec son corps humain dans la gloire de Dieu. En lui, notre mère, la poussière de la terre, entre au ciel. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Parmi les articles du Credo, le dogme de la résurrection de la chair, aujourd'hui comme hier, n'est pas des plus faciles à comprendre et à admettre. Le judaïsme du temps de Jésus était divisé sur cette question. Les Sadducéens, par exemple, ne croyaient ni aux anges, ni à la résurrection. Chez les Grecs, la certitude de l'immortalité de l'âme s'accompagnait d'un mépris tel de la chair que l'idée même de résurrection faisait ricaner. Saint Paul l'a pris à ses dépens sur l'Aréopage d'Athènes. Pourtant, le Verbe s'est fait chair. Il n'a pas assumé une âme humaine seulement, mais aussi un corps humain. C'est l'homme tout entier, corps et âme, que le Fils de Dieu a aimé et qu'il est venu sauver. Que serait d'ailleurs un salut qui n'atteindrait pas le corps ? Un salut pour philosophes prospères, pour théologiens en bonne santé ? Comment le salut ne prendrait-il pas en compte ce corps qui est en moi-même ? Le corps, cette guenille, est-il d'une importance, d'un prix à mériter seulement qu'on y pense ? Dit Philaminte dans Les femmes savantes de Molière. La réplique de Chrysale est pleine de sagesse. Oui, mon corps est moi-même, et j'en veux prendre soin. Guenille, si l'on veut, ma guenille m'est chère. Le salut chrétien est aux antipodes du nirvana bouddhiste. Il ne consiste pas à échapper ultimement à la corporéité. Au contraire, nous professons la résurrection de la chair. Les multiples guérisons physiques que Jésus accomplit dans les évangiles disent quelque chose de cette puissance salvifique qui touche les corps. Comment a-t-il pu s'insinuer dans l'esprit de tant de nos contemporains que le christianisme professait un mépris du corps, une pudibonde somatophobie? Il faut certes n'avoir jamais visité une église baroque pour oser une telle accusation. Même les anges y sont grassouillets. Comment la religion de l'incarnation pourrait-elle mésestimer cette chair que le Verbe n'a pas craint d'assumer? De nos jours, une profonde mésestime de la chair se masque sous une certaine idolâtrie du corps. Séances de fitness, cosmétiques, exhibition des plastiques jeunes, on bichonne son corps comme un instrument à obsolescence programmée, promis de toute façon à la casse après usage. Quand je vois sur les plages les épidermes tartinés de crème solaire pour se protéger des rayons néfastes, je pense à cette huile merveilleuse, le Saint Crème, dont nos corps ont été enduits pour être irradiés de la douce lumière divine. Par toute sa doctrine, ses dogmes eucharistiques, sa foi en l'incarnation et en la résurrection, le christianisme est une religion du corps. Au dernier jour, les saints retrouveront leur corps transfiguré dans la lumière de Dieu. À la fin des fins, le Seigneur aura notre peau. Passez-moi l'expression. Qu'y a-t-il de difficile d'ailleurs à croire en la résurrection de la chair lorsque l'on croit que Dieu crée à partir de rien? Quelle raison est de dire qu'on ne peut ressusciter, demande Blaise Pascal. Quel est le plus difficile? De naître ou de ressusciter? Que ce qui n'a jamais été soit, ou que ce qui a été soit encore? Est-il plus difficile de venir en être que d'y revenir? La coutume
nous rend l'un facile, le manque de coutume nous rend l'autre impossible. Populaire façon de juger. Certes, mais on voudrait bien pouvoir imaginer un peu quelle sera la nature de ces corps de gloire que saint Paul appelle, d'un oxymore hardi, des corps spirituels. À l'image du bel épi, qui ne ressemble guère aux grains jetés en terre, on est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité. On est semé corps psychique, on ressuscite corps spirituel. L'imagination s'est donné libre cours sur ces fameux corps spirituels. Origène, en son temps, avait eu, semble-t-il, des thèses bien étranges selon lesquelles les corps glorieux étaient sphériques. Ses disciples avaient relayé et déformé à qui mieux mieux des idées que leur maître n'avait formulées qu'en passant. C'est ainsi qu'on imagina des ressuscités en forme de boule et comme un immense jeu de pétanque au ciel. Ces divagations originiennes étaient tellement stupides que d'aucuns préféraient nier la résurrection de la chair plutôt que de croire en ces balivernes. Non, nous ne serons nullement au dernier jour des fantômes, des sphères ou des esprits. Les évangiles, en témoignant de la réalité de la chair du Christ après Pâques, nous préservent de toutes ces élucubrations. Dans la gloire de la résurrection, sans doute notre corps sera-t-il subtil par la manifestation de son pouvoir spirituel, explique le pape Grégoire le Grand. Mais il sera palpable par la vérité de sa nature. Voilà pourquoi notre Rédempteur a montré à ses disciples qui doutaient de sa résurrection, ses mains et son côté, et leur a proposé de toucher ses os et sa chair. Palpez et voyez, leur dit-il, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Nous croyons, direz-vous, que les morts ressusciteront, mais nos défunts, eux, présentement, gisent toujours dans la poussière. Oh certes, nous espérons que leur âme est auprès de Dieu, que la miséricorde du Seigneur, exercée dans le jugement particulier, leur a valu d'entrer dans la joie de leur maître. Mais ils doivent attendre le retour du Christ et le jugement dernier pour retrouver avec leur corps la plénitude de leur être personnel. Comment comprendre cette perfection différée? Pourquoi cette interminable attente? Saint Paul, qui de son métier était fabricant de tentes, prend une comparaison éclairante. Il parle du corps comme une demeure de toile et de fortune, opposée à la maison éternelle que Dieu nous prépare. Bossuet, dans son admirable sermon sur la mort, nous fait comprendre le délai entre notre mort et notre résurrection glorieuse. C'est le temps nécessaire pour reconstruire la masure de notre corps en un palais digne d'un roi. Quelle fastueuse résidence le souverain juge ne bâtira-t-il pas pour ses élus à partir de leur pitoyable logis initial? Voilà le mot de l'énigme, voilà le dégagement de tout l'embarras, s'écrie l'aigle de Meaux. « Ô conduite miséricordieuse de celui qui pourvoit à nos besoins, il a dessein de réparer la maison qu'il nous a donnée. Pendant qu'il la détruit et la renverse pour la refaire toute neuve, il est nécessaire que nous délogions. Et lui-même nous offre son palais. Il nous donne un appartement pour nous faire attendre en repos l'entière réparation de notre ancien édifice. » Point d'impatience, cependant, chez les bienheureux. Les âmes des élus jouissent immédiatement, sans attendre la fin de l'histoire, de la vision béatifique. Rien ne leur manque du côté de l'objet qui les comble. C'est bien Dieu leur bonheur. Mais du côté du sujet qui est comblé, quelque chose fait défaut.
Elles sont pleinement épanouies moralement, et pourtant, il leur manque ontologiquement quelque chose d'essentiel. Il leur manque leur corps. Non seulement ce corps qu'elles retrouveront à la résurrection finale, mais aussi ce corps dont elles sont les membres, le corps du Christ, qui n'est pas encore parvenu à sa pleine stature. Quelle sera la félicité des élus ? Faudra-t-il se contenter de la vision béatifique ? De nos jours, la perspective de voir Dieu, qui suscitait le bonheur des anciens, semble ne plus soulever qu'un enthousiasme très modéré chez les fidèles. « voir Dieu », me disait une paroissienne, « mais mon père, vous n'y pensez pas. C'est déjà un miracle quand je parviens à voir mes petits-enfants. » Alors, comment rendre compte du bonheur qu'on goûte au paradis ? Fénelon décrivait la joie des saints du ciel de cette manière très suggestive. Les bienheureux sont sans interruption, à chaque moment, dans le même saisissement de cœur où est une mère qui revoit son cher fils qu'elle avait cru mort. Dans le même saisissement de cœur où est une mère qui revoit son cher fils. Comment ne pas penser à la joie de la Vierge Marie qui retrouve Jésus au matin de Pâques ? Oui, sous les voûtes de cette cathédrale qui lui est consacrée, songez, frères chrétiens, à la joie de Notre-Dame, au transport de bonheur de la Mère de Dieu lorsqu'elle voit son Fils à nouveau vivant. Imaginez cette euphorie. Vous y êtes ? Eh bien, ce ravissement, éternisez-le maintenant. Voilà le paradis. Ça doit être quelque chose comme ça. Un saisissement de joie pure, un moment précis et sans fin d'intense félicité. Quelque chose comme ça, en beaucoup mieux encore, assurément. Mais là, l'imagination défaille. Car ce qui n'est pas même monté au cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Voilà la bonne nouvelle qu'avec les disciples d'Emmaüs, nous annoncerons dimanche prochain.
Seigneur, tu es là devant nous et ta présence mystérieuse dans cette hostie vient nous rejoindre avec délicatesse. Toi, Seigneur, tu nous apprends le cœur du Père, cette miséricorde infinie. Apprends-nous, Seigneur, la vérité de la miséricorde, de ces entrailles du Père, de cette matrice d'où jaillit la vie. Cette femme que tu as relevée est une pécheresse, et la justice est passée parce que le péché nous abîme, parce que le péché fait du mal, source de mal. Mais quand le pécheur reconnaît le mal, quand il reconnaît ce qu'il a fait, la miséricorde peut relever le pécheur qui sait que désormais le péché n'a plus de prise sur lui. Seigneur, toi seul peux nous relever. Apprends-nous à te contempler. Apprends-nous à te regarder. Apprends-nous à vivre sous ton regard. Tu es là, Seigneur, devant nous et nous t'adorons. Tu es là et on te voit sans te voir.
Moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Nous sommes avec toi, Seigneur, par intermittence, à la messe et quand nous prions. Toi, Seigneur, tu es là en permanence. Tu te caches sous les apparences du pain et tu te livres à nous. Ce sont les yeux de la foi qui te reconnaissent. Donne-nous la foi. Donne-nous de te voir. Ta chair se donne en nourriture. Nous accueillons ta chair. Et toi, Seigneur, un jour, tu accueilleras notre chair au jour de la résurrection. Oui, Seigneur, nous le croyons. Nous ressusciterons en notre chair. Nous croyons à ta résurrection du jour de Pâques, où tu te laisses toucher, où tu manges avec tes disciples, mais aussi où aucun élément matériel ne peut te contraindre, ni les portes fermées du cénacle, ni les distances qui séparent Emmaüs de Jérusalem. Seigneur, fais-nous comprendre la gloire infinie que tu nous donneras quand nous serons avec toi. Car la vie éternelle, c'est d'être avec toi. Tantum ergo sacramento.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit sa présence trinitaire dans l'Eucharistie. Béni soit sa présence trinitaire dans l'Eucharistie. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit sa nativité rédemptrice. Béni soit sa nativité rédemptrice. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit son admirable ascension. Béni soit son admirable ascension. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus dans le saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le saint sacrement de l'autel. Béni soit le nom de Marie. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.